Et c'est souvent avec toi qui s'entraîne. Voilà, donc comment est-ce que tu peux compiler
gérer un petit peu ça au niveau de l'organisation par rapport à l'école, à ses entraînements, etc. Vous trouvez le temps facilement pour entraîner en plus à l'extérieur? Mais voilà, c'est pas toujours facile, mais comme c'est un passionné de basket, ben on essaie de trouver un peu le temps. On sort ou à la maison et on va faire quelques moves que tu proposes sur tes tutos. Donc voilà, donc ça fait plaisir, c'est des retours positifs, c'est avant tout un passionné. Il faut savoir que sans la passion, on va nulle part. Donc voilà, c'est très très, très important, pas négliger l'école. Et mieux vaut s'entraîner une demi-heure que pas du tout. Après, toi, tu joues ici, on se dit pas depuis combien de temps, quoi. 2-3 ans, ouais, ça se passe bien. Au niveau du street, est-ce qu'il y a des mouvements que tu as déjà réussi à placer au match? Des trucs qu'on apprend dans les animations? Ouais. Par rapport à Shame God. Donc ça, tu as déjà réussi à placer. L'adversaire, il s'est un petit peu demandé ce qui arrivait. Lorenzo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Beaucoup de victoires. Ouais. Et surtout, continuer à prendre plaisir au basket. Exactement. Donc ça, c'est super important parce qu'il y a la compétition, mais il faut surtout garder le plaisir. Et voilà. Et des petits ponts quand même, ouais. Un petit peu. C'est petit bon, ouais, ça va. Je te remercie beaucoup. C'est tout un bon match parce que t'as match maintenant. Hein, c'est là, contre qui? Contre Freeman. Ah si. Ça va. Bonne réponse, voilà. Restez. Et je remercie à tous les deux en tout cas. Merci.